Oui, satisfaction française du jour, Anaïs Chevalier, même si elle est frustrée parce qu'à une faute près, ça pouvait aller chercher top 5 aujourd'hui. Je ne sais pas si ça pouvait aller chercher top 5. J'ai été un peu en difficulté sur les skis. Je pense que je suis partie un peu fort et dans les conditions de neige qui brassent comme ça, musculairement, en fait, c'est super dur de s'en sortir une fois qu'on commence à faire de l'acide. Donc, c'est comme ça. C'est satisfaction au niveau du tir où j'ai respecté mon plan. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, en ski, c'est des neiges où c'est toujours dur de s'exprimer. Donc, tant pis, on verra la prochaine fois. Vous l'avouez, vous nous disiez juste avant que skier après les garçons, c'est pas un cadeau parce que les garçons avaient vraiment beaucoup détérioré la piste aussi. Oui, ils sont trop forts, ils ont trop de force, ils appuient trop sur le ski. Du coup, ça nous fait un champ de mine, là. Donc, c'est souvent comme ça qu'on court après les garçons, surtout sur des conditions qui sont assez chaudes finalement. C'est souvent le carnage derrière, c'est comme ça. Il y en a qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Moi, j'ai pas réussi à le faire. Le prochain coup. Merci beaucoup.